I saw Wolfgang Petracchi the first time in a talk show on TV. Immediately, I found him extremely interesting. He's a real character. And above all, I was fascinated what an incredible painter he is. My first idea was, this guy has to paint my new cover. And while we were talking about the cover in my studio, I said, you know what, Wolfgang? Why don't you illustrate the entire story? A painting for each chapter, for every song. C'est mon thème, les anges, ça va, ça m'intéresse beaucoup. Hein? Je fais ça depuis toujours, je fais des tableaux avec les anges. Et parce que je suis pratiquement né dans les églises. J'ai toujours travaillé avec mon père après école dans les églises. Et voilà, je me suis dit, ok, c'est peut-être intéressant. J'écoutais la musique et pour chaque chanson, on dit chanson ? Oh oui. Pour chaque chanson, je me suis fait une idée pour des couleurs. Ça, j'ai fait tout à fait en début, c'était fait le 21 janvier, voilà, cette année, en janvier. Et là, on voit déjà toutes les chansons, le 12. Et chaque fois, je me suis fait inspirer par la musique pour les couleurs. We trusted each other. I know music, Wolfgang knows painting. So we followed his approach. He drafted the backgrounds first, and he simply did that by choosing a color scheme for each song. Et même maintenant, si on voit le travail en finition, il n'y a vraiment pas grand chose à changer. Hein. Je voulais faire quelque chose d'abstrait, avec peut-être un ange dedans qui est un peu plus naturaliste. This is Oxygen Red, yes. And this is Absolvo. Yeah, ça c'est super. And one of my favorite. I like them also. They are one of my favorites. But this is Diving. And Diving, yeah. Wolfgang and I, we agreed from the very first moment that first of all he's finishing the paintings for the individual songs, for the different tracks of the album. And when everything is finished for the 12 tracks, then we'll talk separately about the front cover. Wolfgang made some scribbles, and they were beautiful, but I had in the back of my mind an angel, what I saw in his atelier, and I fall in love with this angel a long time ago, and I asked him, can you paint me an angel more or less in the style of this one, what I like so much? On a eu cette idée avec l'ange qui déjà existait dans un grand tableau de moi, et il faut seulement faire en aquarelle, ça, comme ça, ça passe avec les autres, et voilà. C'est super bien, je suis très très content à la fin avec cet résultat. Believe me, if you have this in front of your eyes, you will understand the evolution of our protagonist, starting from the point of falling. And that is the cover.